Ce programme de divertissement vous est offert par World Cola. World Cola bascule dans un monde rafraîchissant. Le grand royaume de Dan Romain a vu naître et fleurir beaucoup de Aziza, ayant réussi à conquérir le monde et nos cœurs tout en préservant notre identité culturelle. Hang Bae, notre roi, vient de rejoindre nos ancêtres. Dadaï Alada. Le prince Aziza, héritier du trône, envoie les sages du village de Hang Bae Lomi Lomi parcourir tous les villages du royaume à la recherche de cette voix qui chantera les louanges claniques du défunt roi Hang Bae, afin que règne pérennité et émergence sur Dan Romain. Qui sera la pépite, la perle rare, la pierre unique, la voix sans pareille qui vivifiera l'âme du roi Hang Bae? Entre héritage et renaissance, vivez la grande finale live de la saison 2 de votre émission télévisuelle Vibration Vocale. Qui sera la plus belle voix? Découverte musique urbaine, old school et love story, nos Azizavi ont dû tout donner à la conquête du sacre. Mais nos sages restent perplexes face à cette panoplie de voix. Ils s'en remettent donc à vous, chers Dan Romainou, pour les aider dans cette noble tâche. Voter pour votre plus belle voix sur la plateforme Zeki permet donc à ton coup de cœur de prétendre à la première place en lui laissant des votes sur la plateforme Zeki. Vibration Vocale, l'Académie des Stars du Bénin. Je fais ce que je veux. MTN Eye. Compose toi-même ton forfait MTN. Tu veux combien? Plus de minutes? Plus de gigas? Tu es sûr? Tu peux changer. Fais en fonction de ton budget. Compose ton forfait unique au étoile 75 dièse. Choisis toi-même le montant, le volume et la validité de ton forfait. MTN Eye. Tu veux? Tu fais. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très fier de me retrouver ce soir ici dans cette belle salle pour vous souhaiter la bienvenue. Bonsoir Cotonou. Comment ça va? On a dit qu'on va prendre un challenge, celui de célébrer la voix dans sa splendeur, dans sa beauté. Et ce challenge, des jeunes béninois l'ont pris. Première expérience 2023. C'était une consécration. Deuxième expérience ce soir, vous êtes venus pour soutenir l'initiative. Je voudrais vous dire merci, merci d'applaudir pour vous-même, s'il vous plaît. Vibration Vocale, deuxième édition. Depuis environ une heure, vous êtes en train d'apprécier ces belles voix du Bénin qui ont décidé de nous faire plaisir. Ils sont 14, ils sont dans les coulisses, ils sont prêts. Ils sont prêts à vous offrir un spectacle de qualité. Je voudrais que vous puissiez les ovationner très très fort, mesdames, messieurs. Et ce soir, l'aventure va se poursuivre. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions actuellement dans les coulisses. Il y a beaucoup de stress aussi. Et on a dit qu'on a besoin du soutien de ce charmant public pour offrir un spectacle de qualité ce soir. Et ce spectacle, vous allez nous aider à l'offrir. Une fois encore, bonsoir à toutes et à tous. Lumière sur mon public, parce que moi, j'ai envie de vous applaudir à présent. Merci de vous ovationner très très fort.
Et comme vous le savez, mesdames, messieurs, quand on parle de compétition, de voix, on parle de belles voix d'ici et d'ailleurs. On parle de pépites que le comité d'organisation allait dénicher dans tous les coins du Bénin. On parle d'une belle soirée, mais on parle également de jury capable d'apprécier, de voter, de noter et puis de choisir la meilleure voix de l'année. Je voudrais à présent installer les membres du jury de cette compétition Vibration Vocale 2e édition avec vos applaudissements surtout. Je voudrais qu'on puisse les ovationner très très fort pour les faire venir dans cette salle. Ils sont trois membres du jury pour apprécier, pour noter, comme le public d'ailleurs va le faire tout à l'heure, nos 14 finalistes. C'est le temps pour nous de les installer. Et on va démarrer cette compétition. Merci de recevoir tout de suite et maintenant Tatiana Achissou du duo Teriba. Merci de l'applaudir. Tatiana Achissou. Elle va venir. Si on n'applaudit pas très très fort, elle ne va pas venir. Tatiana Achissou, Asikiwa, la belle Asikiwa, juste derrière. Merci d'ovationner Tatiana, bienvenue, bienvenue à toi. Merci beaucoup, tu as fait cette belle aventure en tout cas avec nos finalistes et ce soir encore l'aventure va se poursuivre. Merci. Merci beaucoup. À tes côtés on aura Mireille Misséon alias Asikiwa. Merci de l'applaudir, Asikiwa. Venez, venez, venez à nous. Merci de l'applaudir également à Sekiwa, qui depuis les primes est resté avec nos candidats, a pu nous sélectionner la pépite et nous envoie cette pépite à la finale ce soir. Merci beaucoup à toi Sekiwa, bienvenue. Et puis vous serez accompagné bien sûr du coach Landry Aniwano, merci de l'applaudir. Coach, venez. Merci. Voilà. Le temps pour nous d'allumer leur micro. Et puis, notre quatrième membre du jury. Merci de l'applaudir pour le faire venir. Monsieur Mesha Kadiaro, s'il vous plaît. Je voudrais, mesdames, messieurs, que vous puissiez applaudir pour ce quatuor. Ils ont fait le gros boulot et ce soir, ils vont nous démontrer que le gros boulot a été fait. Merci de les applaudir pour les raccompagner à leur place. On va les installer confortablement. Ils seront, bien entendu, suivis de M. David Quenhomme, le clerc assermenté de Maître Yves Alloyon, huissier de justice. Il viendra confirmer l'authenticité et la véracité de tout ce que nous allons faire ici ce soir. M. David Quenhomme, merci de venir, s'il vous plaît. On l'applaudit. Accompagné par un membre de l'équipe d'organisation également. On va les installer. On va installer ce beau monde. Est-ce que mes hôtesses peuvent permettre à nos membres du jury de s'installer. Merci beaucoup. On les applaudit, s'il vous plaît. Juste une fois encore, merci à toutes et à tous. On installe l'orchestre dans un instant, mais avant, on fait une courte pause publicitaire. Bascule dans un monde rafraîchissant avec Walt Cola. Ce soir,
nos 14 finalistes vont prester et ils seront accompagnés de musiciens. Et je voudrais à présent qu'on puisse les applaudir pour les installer. Merci d'applaudir l'orchestre, s'il vous plaît. Et justement, ils nous offrent une belle chanson pour démarrer cette belle soirée. Merci de les ovationner. Bonsoir. Je suis ce pirate qui a longtemps cherché son trésor et qui a trouvé. Je serai ton mendiant préféré. Nous les manawa, oui, je serai ton médecin préféré. Bisous, câlin, si c'est à vous, ça va te dégoûter. Tu es mon humain préféré. Donne-moi de l'amour, je serai ton mendiant préféré. Nous les manawa, oui, je serai ton soukadadi préféré. Vois-tu? Si c'est calme, ça va te dégoûter. Ah. On y va ensemble. Yeah. Vitaminaï. Est-ce qu'on peut chanter ce soir? Vitaminaï. Beaucoup d'annonces civiles, ça y a nos vies. Yes, y'a où nos vies, nous aimons à mon entier. Je suis ce pirate qui a longtemps cherché son trésor, il a trouvé. Est-ce qu'on peut chanter? On y va. Yeah. Yeah. Sexy, 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 s
Est-ce qu'on peut les apprécier? Merci beaucoup. Et c'est avec eux qu'on va faire le show ce soir. Je pense, mesdames, messieurs, que nous sommes suffisamment chauds et qu'on peut lancer les hostilités. On ne saurait démarrer cette compétition sans vous dire que, à vibration vocale, on a décidé de faire les choses normalement. Maître Yves Alagnon, huissier de justice, suit depuis le début de la compétition tout ce que nous faisons. Et ce soir, il a envoyé son clerc assermenté, M. David Kedom. Je voudrais l'inviter ici sur la scène pour nous autoriser à démarrer officiellement cette belle compétition, la deuxième édition des Vibrations Vocales. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Monsieur David Kedom, bienvenue. Dites-nous tout. Merci, monsieur l'animateur. Bonsoir, distingués invités. Bonsoir à chacun. Bonsoir à tous. Comme vous le savez déjà, ce soir, nous sommes à la grande finale du jeu concours musical dénommé Vibrations Vocales. Et quand on parle de jeu, cela fait appel à un certain nombre de règles qui doivent régir la conduite du jeu. Il n'y a donc pas de jeu sans règles du jeu. Et dans tout jeu, il y a forcément un gagnant et un perdant. Donc, nous sommes là ce soir pour veiller au bon déroulement de l'ensemble du processus pour que tout se passe dans la transparence et dans l'impartialité, afin que les résultats qui en seront issus reflètent véritablement tout ce que les candidats auront fourni comme effort. Donc, nous voudrions inviter l'ensemble du jury, les professionnels de haut niveau de la profession, de bien vouloir faire preuve de neutralité et d'impartialité dans l'attribution des différentes notes à chacun des candidats. Nous souhaitons donc bonne chance à tous les candidats, bonne soirée musicale à chacun et à tous, et que les jeux commencent. Je vous remercie. Monsieur David Kedom, merci de l'applaudir. Bonne chance à tous les candidats et que les jeux commencent. Ce soir, chers spectateurs, nous sommes tous jury parce que nous avons tous la possibilité de voter pour le candidat de notre choix. Deux possibilités, la plateforme zekin.me sur votre navigateur web. Vous choisissez accorder un vote, vous identifiez l'événement Vibration Vocale deuxième édition, vous sélectionnez votre candidat et vous cliquez sur voter pour voter pour lui. Et ce soir, on aura sur nos deux écrans de part et d'autre de la salle l'évolution des votes du public qui compte pour 30% dans la sélection totale. Une fois encore, merci à toutes et à tous. Nous avons installé un secrétariat juste à côté, secrétariat auquel assiste d'ailleurs le clerc assermenté de Maître Alagnon, qui nous autorise à démarrer la compétition. Et on va la démarrer, cette compétition. Ce soir, vous allez voir vos 14 finalistes sur trois prestations, dont deux seront notées. Une première prestation qui va être une prestation solo, et une deuxième prestation qui sera une prestation en duo. Bon match à toutes et à tous. Bon spectacle à vous. Bon spectacle à vous. Et je voudrais m'autoriser à faire venir le premier candidat de ce soir.
devenir. Celui qui ne souhaite pas le bien de son frère et qui est prêt à tout pour le voir souffrir. Tu te demandes, mais comment on peut, sans raison apparente et peu à peu, pour devenir. On y va? Bonsoir. Bonsoir, Gloria. Bonsoir. Ça va? Ça va. La prestation m'a beaucoup plu, ta présence sur scène m'a beaucoup plu. Sauf que même dans l'émotion, il faut savoir être juste. À des moments donnés, il y a eu de petits couacs, mais dans l'ensemble, ça va. Merci. Coach Aniwanu, un mot, rapidement? Gloria. Je constate que depuis le début de cette aventure, tu nous montres que tu veux vraiment aller loin. Et ça nous intéresse. Tu as commencé l'histoire et du courage pour la route. Ouais. Meshak, vous attribuez combien? 13. 13 pour Meshak. Asikiwa? 12. 12. Landry? 14. 14. Tatiana? 13. Merci d'applaudir Gloria pour la raccompagner à sa place, mesdames, messieurs. Censé faire pour m'en sortir. Le vœu de mon cœur est de changer ma vie. Je te fais pas dire combien mon cœur pleure. Et cette envie de changer me ronge. Pourtant, papa, pour toi, je veux laisser mon ancien moi. Ne plus jamais faire du mal. À force de pleurer, je n'ai plus de larmes. Papa, pour toi, comment je veux changer ma vie. L'envie est d'apporter. Je suis
force de pleurer, je n'ai plus de larmes. Papa, où, comment je veux changer de ma vie? Charles Senghor, merci de l'applaudir. Bonsoir Charles. C'était un joli moment pour moi qui suis, on va dire, sensible à ce type de musique. Mais j'espère que vous avez d'autres tours dans votre sac. Il va falloir plus d'énergie pour nous emporter, pour nous embarquer dans votre voyage. Mais on sent qu'il y a de la matière et que vous avez quelque chose à donner. Merci. Merci beaucoup, Asikiwa. Non, je dirais simplement qu'il faut un peu plus d'énergie pour nous amener avec lui, comme l'a dit Meshach. Merci. Cette chanson « Aide-moi » de Nathan Maloba, interprétée ici ce soir par Charles Senghor Dekpé, le candidat numéro 4, vous voulez voter pour lui sur la plateforme zekin.me, choisissez VV4. On va noter à présent notre candidat. On va commencer par la note de Meshach Adjaro. 12. Pour Meshach Adjaro, Asikiwa, vous lui donnez combien? 14. 14 pour Asikiwa Landry. 13. 13 pour Landry. Et Tatiana? 11. 11 pour Tatiana. Merci d'applaudir Senghor Charles Dekpé pour le raccompagner dans les coulisses. When would you bless me? Lord, please let me know. I got a yellow. Go blow, give me anointing, something will go flow. I got a halo, one day just go blow. So Baba Shara, your blessing, oh, 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 oh. Show me your love, oh, oh, yeah, yeah. Show me your love, so let me know when the morning goes strong. Biggie Matafaro,
s'appelle Oussou Oluwakemi. Troisième candidate de ce soir. Juste après sa prestation, nous allons laisser les membres du jury apprécier cette prestation. Je vais donner la parole à Landry. Oui, Oluwakemi, j'ai envie de te dire que tu as encore à travailler la justesse. Parce que tu chantais la plupart du temps dans le coma. Tu n'atteins pas forcément les notes. Donc tu as davantage à travailler cette partie. Et te lasser. Il faut te lâcher prise. Et tu es trop confiné. Et ce n'est pas bon pour le chant. Sinon, belle prestation. Merci. Merci beaucoup, Asikiwa. Non, je dirais qu'il faut que le travail continue, surtout sur la justesse. Il faut travailler beaucoup. C'est vrai que quand on écoute ce genre de musique, on n'arrive pas à travailler. Je te conseille d'aller écouter du gospel américain pour pouvoir travailler la justesse. Et si possible, aller faire un instrument harmonique pour que cela soit juste. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci beaucoup, Meshak. On va noter notre candidate, VV5 Oussou Oluwakemi, sur cette belle chanson Bless Me de Good Girl. Vous lui donnez combien? 13. 13. Asikiwa? 13. 13. Landry? 13. 13. Tatiana? 11. 11. Merci de l'applaudir. Quatrième prestation ce soir, mesdames, messieurs. J'espère que vous vivez ces instants de bonheur en notre compagnie. Je vais me retourner vers mes membres du jury.
pour écouter l'avis de Tatiana sur cette prestation. Bonsoir, cher public. Bonsoir, chers candidats dans les coulisses. Bonsoir à tous les musiciens, à tous les techniciens. Bravo à l'organisation. Je passe. J'ai vraiment suivi une belle prestation. Sauf que je suis restée sur ma faim dans ce que j'aimerais entendre, en fait. Il te manque de la rondeur, de la profondeur dans ta façon de prononcer, de poser cette chanson. Elle est trop légère pour moi. Il lui faut plus de profondeur. Belle prestation tout de même, belle tenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Meshak. Un mot? Dossi, vous avez fait un choix audacieux en vous attaquant d'abord à du gospel américain, ensuite à du Cissy Winans, ensuite à du Goodness of God et à du Fongbe. Et tout ça, c'est des niveaux de choix très audacieux que je salue. J'avoue que ce n'est pas complètement abouti, mais c'est un bon début, c'est une belle initiative et j'ai vécu une belle prestation. On va noter, on commence par vous, Meshak Adiaho. 14. 14 pour Meshak. Asikiwa. 14. 14, Coach Landry. 13. 13, et puis Tatiana pour finir. 13, et ça s'applaudit. Merci. On la raccompagne. Je voudrais, avant de poursuivre, dire merci à tous nos partenaires, à toutes ces personnes qui nous accompagnent et qui soutiennent cette initiative Vibration Vocale. Un sincère merci à l'Agence de développement des arts et de la culture, l'ADAC. Son directeur général, M. William Codio, a fait le choix de rester avec nous ce soir. Nous sommes très heureux. Merci, DG. On poursuit avec le prochain candidat. Let's go! Le temps s'enfuit, s'envole, s'en va. Il est un passant qui jamais ne revient sur ses pas. Laissant derrière lui, regret ou choix. Le passé passe au présent, le futur sera. Le temps s'enfuit, s'envole, s'en va. Il est un passant qui jamais ne revient sur ses pas. Laissant derrière lui, regret ou choix. Le passé passe au présent, le futur sera. Tout le monde, on y va, on y va! Ne te demande pas de te presser. Arrange-toi pour éviter les erreurs du passé. Tu ne peux récolter tout ce qui s'est cassé. Ce qui est resté derrière toi sera toujours effacé. Le temps s'enfuit, s'envole, s'en va. Il est un passant qui jamais revient sur ses pas. Laissant derrière lui regret ou joie. Le passé passe présent et le futur sera. Comme un enfant, comme un enfant, comme un manot, c'est comme un déou. Au chantier de ma vie, la porte sans nos portraits. Quand j'ai fait de lui sans doute mon meilleur allié. À mon côté impatient. Oh, de balayer, yeah. Non, non. Mais malo, gégé, t'en mis de la manière. Dans un de l'île, ouais, non, vite, y'a. Sans vous de mettre des voix, ma calève. Nous n'est pas prêts de vous. On ne te demande pas de te presser. Arrange-toi pour éviter les erreurs du passé. Tu ne peux décoller tout ce qui s'est cassé. Ce qui est resté derrière toi sera toujours effacé. Le temps s'enfuit, s'envole, s'en va. Il est un passant qui chemin. Reviens sur ses pas. Laissons derrière lui. Regret ou joie. Le passé passe au présent. Le futur sera. Le temps s'enfuit, s'en va, s'en va. Il est un passant qui chemin. Reviens sur ses pas. Laissons derrière lui. Regret ou joie. Le passé passe au présent. Le futur sera. Oh. On l'appelle Krichao Uchema.
Alors, nous allons écouter nos membres du jury sur cette prestation. Je vais donner la parole à Landry et à Sikiwa. On y va. Oui. Allez-y. En fait, Christian, bravo. Je viens de suivre une prestation artistiquement posée. Oui. Merci et bonne chance à toi pour la suite. Asikiwa. Christian, bonsoir. C'est le mec qui est comme l'eau. Quel que soit le récipient dans lequel tu le mets, il prend la forme du récipient. Et ce soir, malgré mon âge, il m'a amené avec lui et je voulais être sur la piste et pouvoir me mouvoir, mais je ne pouvais pas. Et nous allons, si vous le permettez, cher public, si vous le permettez, nous allons voter pour Christian. Nous, ça va être VV7 sur la plateforme Zekin. OK? VV7, pour voter pour Christian Ouchemé qui vient de nous faire ce titre, le ton de Dibi Dobo. Je vais prendre les notes à présent des membres du jury. Meshaka Diaro. 18. Asikiwa. 18. Landry. 17. Tatiana. 16. Merci Christian. Believe Saboran, elle a décidé de s'attaquer tout de suite
Je pense que je vais y arriver, c'est bon, merci beaucoup. Elle a décidé, je le disais tantôt, de s'attaquer à deux divas de la musique. Yemi Alade, Angélique Kidjo sur le titre Chékéré. Tatiana, votre avis? C'est ce que j'appelle du coup double. Pas mal. Merci. J'aime l'énergie, mais on voit bien que tu devrais manger plus costaud. Tu manques de force et tes phrases musicales sont légères. Tu vois, quand on t'entend chanter, on ferme les yeux, on a l'impression que tu n'es pas enraciné du tout. C'est juste ça. Tu trembles de l'intérieur, tu as peur, ça se sent dans ta voix. C'est normal, hein? Après, c'est avec du travail qu'on arrive à dominer cela. Bravo, belle prestation. Les danseurs sont faits pour toi, ils dansent avec toi. Donc, essaye de danser avec eux, pas dans ton coin. On veut du spectacle. Merci. Merci beaucoup, Tatiana. On va écouter Meshak. Je ne sais pas quoi ajouter. Tatiana a dit l'essentiel. Ça manque d'ancrage. Ça manque de puissance, ça manque de présence, parce que les deux qui étaient en featuring sur ce champ, ce sont des bêtes sauvages du champ et de la danse. Donc, je crois qu'il faut s'intéresser à ce que ces deux-là mangent, à ce qu'elles font comme exercice physique, à quelle est leur hygiène de vie, et de copier simplement ce qui est intéressant dans ce parcours. Voilà. Merci. C'était beau. Merci beaucoup. On va commencer par toi, Meshak, pour les notes à donner à notre candidate, Believe Sagboran, VV8. Si vous avez envie de voter pour elle, je voudrais préciser que les votes du public comptent pour 30% et les votes de nos membres du jury comptent pour 70%. Meshak, vous lui donnez combien? 13. Asikiwa? 14. 14. Landry? 14. 14. Tatiana? 11. Merci d'applaudir pour Believe Sagboran. Like a modern slave, Mr. Jailer, my yeah.
Et notre achat s'appelle Sephora Afosogbe. On va apprécier cette prestation. Tatiana? Oui, trop de gestuels parasites en fait. Tu fais trop de gestes et tu perds le son. Déjà, tu as choisi un morceau qui n'est pas du tout dans ta morphologie. Alors moi, à l'époque, quand on faisait les concours intercollèges, on s'habillait, on essayait d'être comme l'artiste. Je ne vois pas du Hacha devant moi. Je vois du Beyoncé, peut-être. Mais je ne vois pas du Hacha. Je ne vois pas ce afro de Hacha, ni dans la voix, ni dans le physique. L'authentique. Tu vois? Et ça, c'est ce que j'aurais aimé voir. Là, j'aurais pu dire, ouais, elle a essayé quelque chose. Mais je t'encourage, parce que tu es là sur cette scène, je sais que ce n'est pas facile, c'est beaucoup de travail. Courage à continuer à travailler dans ton régime. Et là, je pense que tu as du potentiel. C'est juste pas ton régime. Ça ne se colle pas. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Tatiana. C'est pour un Fosogbe, on va la noter à présent. Meshaka Diaro. 11. Asikiwa. 11. Landry. 11. Tatiana. 10. On l'applaudit pour la raccompagner. Déjà, 7 candidats qui sont passés devant vous, que vous avez aimés, que vous avez appréciés. La pub à présent. Avec moi, Cola. Hey, tu fais quoi? Moi, je fais ce que je veux. MTN Eye. Compose toi-même ton forfait MTN. Tu veux combien? Plus de minutes? Plus de gigas? Tu es sûr? Tu peux changer. Fais en fonction de ton budget. Compose ton forfait unique au étoile 175 dièse. Choisis toi-même le montant, le volume et la validité de ton forfait. MTN Eye. Tu veux? Tu fais. Vibration vocale, votre concours de voix vous revient. Je voudrais qu'on puisse applaudir nos finalistes, s'il vous plaît. Ils ont besoin de votre soutien, de vos ovations, de vos applaudissements. On en a vu 7, voici 7 autres. Je vous présente pour commencer Marie-Claire Adiovi, candidate. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître Montmartre en ce temps-là. Accroche celui-là jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. Nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous cessons d'y croire. Et quand quelques vaisseaux contre un bon repas chaud nous brûlaient une toile, nous récitions l'hiver, groupés autour de poêle, n'oublions l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire. La bohème, la bohème. Et nous
On a fait du Charles Aznavour avec Marie-Claire. Landry. Il faudrait avoir la langue bien déliée pour choisir d'interpréter Charles Aznavour. Quand il chante, même dans le plus profond sommeil, on l'entend distinctement. Oui, on reçoit correctement les mots. Marie-Claire, tu as encore beaucoup à faire. Mais je félicite ton audace et l'orchestration, l'arrangement. Bravo. Bravo les gars. Merci aux instrumentistes. Merci pour le choix de cette orchestration-là. Donc, tu as beaucoup à travailler à ce niveau-là. Merci. Michel Kadiaho. Dieu bénisse Charles Aznavour, Dieu bénisse Abraham Constant, Dieu bénisse l'orchestre de vibrations vocales. C'était un joli moment. Après, Marie-Claire, vous avez besoin de faire ce que vous faites là plus souvent, sur la durée, pour enraciner votre pratique du chant. Vous avez besoin de pratique. Vous avez beaucoup de volonté, mais ça ne suffira pas. Il faut beaucoup de pratique, intégrer un groupe, chanter plus souvent, et voilà, vous faire entourer. Sinon, c'est un bon début. Et moi, je suis plus resté dans la musique que dans la voix, alors que j'aurais aimé l'inverse. Voilà. Merci beaucoup, Meshach. On va commencer la notation par toi. 13 pour Meshach. Asikiwa. 11 pour Asikiwa. Landry. 12 pour Landry et Tatiana. 12 pour Tatiana. On va applaudir pour Marie-Claire. Afrique, Afrique, mon Afrique, l'Afrique de Sylvanus Olympio, de Nelson Mandela, de Modibo Keïta, de Kwame Nkrumah, de Jomo Kenyatta, de Mohamed Kadhafi, de Thomas Sankara, l'Afrique des voix mélodieuses enivrantes, envoûtantes, empotantes, fines, fraîches, belles et graves. Afrique, mon Afrique, terre de lumière. Africa. Enfants d'Afrique, même si le ciel tombe, elle luttons pour la paix. Comme Jambo Africa, Olamia, Mali Jambo Africa, oui, ce nous attendait. Africa. I want to know.
Diamant Africa de Ismaël Lowe, interprété ici ce soir à la finale de la deuxième édition de Vibrations Vocales par Heureuse Renfort. Tatiana, ton avis? C'est un piège. Hein. C'est un piège. Je vois le début de quelque chose. Mm-hmm. Je vois quelque chose venir. Mais je suis pas heureuse, malheureusement, heureuse. Je ne suis pas heureuse parce que c'est un morceau interprété par Ismaël Lowe en tant qu'homme, il a déjà un niveau de voix. Ouais. Et je m'attends à ce que tu, déjà, pour que tu démarres par là, sur le morceau, et qu'après le test vienne. Pour moi, tu n'as pas su l'aborder, tu n'as pas su la rendre comme cela se doit, en fait. Je suis restée sur ma faim. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal, mais j'ai vu mieux. Asikiwa. Comme le disait Tatiana, on est resté sur notre faim. En voyant déjà ce titre-là, je m'attendais à quelque chose de plus époustouflant, de plus présent. Et un waouh, j'attendais quelque chose parce que nous en avons vu dans les concours déjà. Mais là, je sens que le côté artistique est là. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Il faut maintenant continuer par arroser cette chose, continuer par nourrir ce qui est en gestation et aller chercher au plus profond de soi et accoucher de ça. Merci. Merci beaucoup, Asikiwa. On va noter à présent notre candidate. On va commencer par Meshak Adiaho. 14 pour Meshak. Asikiwa. 13 pour Asikiwa, Landry, Aniwanu. 13 pour Landry, Tatiana. 14 pour Tatiana. Merci, Heureuse. But isn't she lovely?
What is in she love me for? Merci. Hey, you got it. Est-ce que ça va? Ça va bien. Ça va bien? Très bien. Shedrack, connu, hein? Par en tout cas ses fans et ses mélomanes comme Ménoréa Léon. Une belle chanson de Stevie Wonder à la sauce Shedrack. On commence par toi. Je t'ai vu venir, hein. Le jeu de monde, Meshach et Shedrack, j'avais voilà. Vu, je t'ai vu penser à ça. Alors, Shedrack, le chant, quand je traduis dans ma langue, et ma ka yon kwan, et ma ka nou, la ma ka vivia nou, la ma ka yon sia nou, la ma ka, et ma ka fe wa, et ma ka dia choa. Je me pose la même question. C'était beau. Ah! Merci à vous. Mais... la fraîcheur dans la voix, la sensibilité, la présence, le groove. Mais vous êtes un chanteur, monsieur. Et la capacité à swinguer sur l'orchestration, à changer de sphère, parce que la musique aussi évolue derrière. C'est un artiste. Après, je pense que vous pouviez bouger moins. Surtout sur la première partie qui était très soft. Et après, vous aurez pu nous faire profiter encore plus de votre belle voix. Mais les tonulations, les changements de tonalité, la justesse, la précision. Mais vous êtes bon, vous êtes bon. Vous êtes merci. Bon. On donne la parole à Tatiana. On oui. Donne la parole à Tatiana. Oui. D'accord, on oui. Donne la parole à Tatiana. Oui. Non. Oui. Non. Oui. 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 J'ai plané. Oui. Merci. Oui. Merci Tatiana. Tatiana a parlé. J'ai plané, j'ai voyagé, je suis partie. Et là, tout brusquement, tu me lâches quoi en fait. Boum. Et c'est la fin. Bravo à l'orchestre. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'orchestre? Ouais. Merci à la bande de Abraham Constant. Merci beaucoup. On va noter. D'accord, Shedrack. Meshach. 16. Asikiwa. 17. 17. Landry. 16. Tatiana. 16. On applaudit pour merci à vous. Shedrack pour le raccompagner. Tout seul, tu m'arrives comme un coup de poing sur la gueule. L'autoroute de ma vie filait tout droit du vent. Notre rencontre est un accident. J'ai envie de crier comme un nouveau-né, hurler comme un animal traqué. Que l'amour est violent, mais violent pas dedans. Devant toi tout à coup je tombe à genoux. Tu foutes pas de coups. L'amour ne vient jamais où on attendait de l'échapper mais sans le trouver. Quand ça vous surprend comme un coup de sang, redevient adolescent. T'aimer me rend violent.
marcher sur les mains. Si tu me demandais de croire en demain, je me retournerais contre mon destin. Tu me ferais planter des fleurs dans ton jardin et m'endormir dans des draps de satin. Que l'amour est violent, mais violent pas de temps. L'amour est violent, violent comme un volcan, violent pas de temps. L'amour est violent, que l'amour est violent, violent pas de temps. Mais quand tu te rends à mes caresses, ma violence change en tendresse. Que l'amour est violent, violent pas de temps. Merci. Alfonso Tibazo. On commence par Landry. Les yeux fermés, j'entendais au fond de moi un son, pas un artiste. Parce que pour moi, il manque un peu de lourdeur dans ta prestation. Il manque de vigueur, il manque de prestance. Il manque de prestance. Donc tu as à beaucoup travailler encore. Si c'est ce que tu choisis, tu as à le faire tous les jours, quotidiennement, comme exercice, une heure de temps, deux heures de temps, pour vraiment entrer dans le vif du sujet. Voilà, merci. Asikiwa. Je voudrais réitérer encore ce conseil-là. Allez toujours vers des choses qui vous correspondent. Cette chanson ne te correspond pas. Il y a une différence entre la chanson et toi. Donc, vous ne pouvez pas faire un. Donc, quand vous êtes en face de choix, allez vers des choses qui vous ressemblent. Vers des artistes qui vous ressemblent dans le rendu, dans les écrits, même dans la posture. Et ça aurait pu vous faire du bien si vous étiez allé dans ce sens-là. Merci. On va noter Alfonso Tibozo, VV14. Vous pouvez voter pour lui sur notre plateforme zekin.me. Meshach Kadiaho. 14. Asikiwa. 12. Landry. 12. 12. Et puis Tatiana. 11. 11 pour Tatiana. Merci de l'applaudir. Holy water. Baba Latini. Enigbe Amimi Ofenti Talonini Ago. Oh,
On peut applaudir. Elle s'appelle Joliette Canosso-Méchac. Joliette, bonsoir. Vous avez choisi, de mon point de vue, un chant qui vous correspond. Vous avez réussi à retransmettre l'énergie qu'il y a dans le chant sans préjudice pour la voix. C'est-à-dire que, je veux dire qu'on a vu le spectacle, on a vu que c'était intéressant, mais vous êtes restée chanteuse du début jusqu'à la fin. Et ça, ce n'était pas évident. Et ce que je voudrais, c'est que vous puissiez poursuivre. Il y a quelque chose dans votre voix qui est intéressant, il y a une présence, il y a une couleur qui est intéressante. Il faut continuer à creuser, continuer à travailler. Ce serait un gâchis si vous ne chantez pas. Landry, je vais juste ajouter à Joliette que quand on a des danseurs, on essaie d'apprendre au moins quelques deux mouvements pour y aller avec eux. Et ah, elle veut justifier ça. Et c'est ça, hold on, hold on, hold on. D'accord, c'est toujours bien avec deux, trois coups d'œil. Vous avez déjà volé quelque chose que vous pouvez faire en deux secondes. Et c'est très important. Merci. Merci beaucoup. Nous allons noter Joliette Canosso qui faisait une prestation sur le titre à Gondo de Sessimin, Meshak Adiaro. 15. Asikiwa. 14. Landria Nwanu. 13. Tatiana Aissou. 12. Merci de l'applaudir. We makobozi eu nyana wa eu le chanda laza fuli la we ya namia uza subando bona yele wa mudo chile beni kaza yo mono makuti u nyana wa we utakile bakat fele uze zose Uje chade, la hati chana name, be elitis, uyenu alisoka, be elitis, ase la chande bulike, bulike la, we mango bosi, bulike la, we numbonza, bulike la, eyona miya uza, subana mona, awa mudo chile. Ayo yo yo magobesa, we yo 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 yo, uakatsuwa
Doris Gagnon sur la grande finale de Vibration Vocale. Tous ceux qui disent bisser savent que dans une compétition, on ne bisse pas. Allez, on va écouter Asikiwa d'abord. Doris, c'était époustouflant. Sans voir Brenda Fassi, on avait quelque chose d'elle. On avait sa présence, on avait sa puissance, mais ce qui manquait fondamentalement à cette prestation, c'est la gestion du micro. À des moments donnés, c'est vrai que le micro crache. Si ce n'était pas une compétition, on allait reprendre parce qu'il y avait un problème au niveau du micro, mais on n'a pas tenu compte. Mais ce que je voudrais que tu saches, quand tu vas dans les aigus, essaie d'éloigner un peu le micro de ta bouche. C'est ça que j'appelle gestion du micro, pour que le son soit plus plaisant pour celui qui t'écoute. Mais on avait les Chaka Zulu, on avait tout, et c'était pas mal. Merci. On avait les Chaka Zulu, d'accord. On avait dansé. Meshak? Doris nous a respectés. Amen. Doris a montré beaucoup de respect pour nous, parce qu'elle s'est habillée d'abord en fonction du choix du chant, ensuite en fonction de sa morphologie, en fonction de la dignité que nous attendons d'une femme africaine. Yes. Ensuite, elle a tellement bien chanté qu'on se rend compte que ce n'est pas qu'un problème d'habillement, c'est quelqu'un qui est dans son marigot, qui connaît le chant et qui l'a très bien exécuté. Tout ce qu'on a reproché à certains candidats, le jeu d'ensemble avec les danseurs, on l'avait, Landry. On l'avait. La présence, mais on avait également la justesse, la précision. Donc pour moi, vous êtes une personne encouragée dans cette carrière. Vous n'avez pas le droit d'abandonner. Vous allez jusqu'au bout. Vous nous faites une belle carrière. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Meshak, on commence par toi. Tu notes Doris. 16. Asikiwa? 17. 17. Landry? 17. 17. Tatiana? 16. Merci beaucoup, Doris. Les poches vides, vides d'y penser. Je voyais pas tout ça finir, les yeux mouillés. Elle est pas moche, moche la vie, elle est belle à peu près. Première fois que je maudis d'avoir rêvé. Je ne dis pas qu'on avait de quoi, non, j'y connais trop rien. Je ne dis pas qu'on avait de quoi dans les mains, mais c'est dommage, même si dommage, parfois c'est mieux, mieux que l'orage, mieux que les éclairs. C'est dommage.
dommage, on semblait heureux. Dommage, on semblait heureux. Mariam Iyabo Gomina. Alors, on va faire Tatiana pour commencer. Je pense que c'est une voix cachée dans un tout petit corps. Et je pense que elle a envie de sortir, elle essaye de sortir, de trouver des issues. Et pour l'instant, elle a besoin juste de plus d'espace. Elle a besoin que tu grandisses encore un peu et ce sera juste parfait. Bravo. Landry. Oui. Iyabo a commencé une histoire. Elle est dans son marigot, mais elle est en train de d'évoluer comme une petite tortue. Donc, on va l'attendre. Le temps de s'éclore, de grandir, d'élargir son champ et de pouvoir atteindre correctement les notes et de pouvoir éliminer aussi le stress qui est un danger pour elle. Voilà ce que je puis dire. Merci beaucoup, Landry. Nous allons voter à présent pour Mariam Iyabo VV20. Pour vous, les notes des membres du jury à présent, Meshaka Diaro. Je me permets de placer une phrase parce que Vas-y. C'est important pour moi que Mariam sache que son plus grand défi, ce n'est pas la voix. Vous avez déjà une jolie voix, c'est la justesse. Vous n'étiez pas sur la tonalité et ça, les profanes peuvent l'entendre. Et les erreurs que les profanes entendent, moi, ça ne m'arrange pas. Mm-hmm. Vous comprenez? 13 pour Meshak. On y va à Sikiwa. 14 pour Asikiwa, Landry. 14 pour Landry et on finit par Tatiana. 13 pour Tatiana. On applaudit pour notre candidate. On la raccompagne à sa place, tu peux partir. Merci beaucoup. Je voudrais, mesdames, messieurs, que nous puissions applaudir quelqu'un. Et vous me promettez que quand il va venir, vous allez lui faire un stand innovation. C'est celui-là qui est resté à écouter, à accompagner, à corriger, à suivre, à mettre de la bonne ambiance dans tout ce que nous avons vécu jusque-là. C'est une personne exceptionnelle qui n'a pas perdu son temps, qui a laissé sa famille pour se consacrer essentiellement, uniquement à ses 14 candidats, El Coutinho. Je voudrais que vous puissiez applaudir pour le coach El Coutinho. C'est lui qui a apprêté nos candidats. Je voulais qu'on lui dise un gros merci avant de poursuivre cette belle aventure. Il mérite vraiment qu'on puisse l'ovationner. El Coutinho, Femi El Coutinho, avec toute sa bande. Merci de les applaudir tous. Merci beaucoup. C'est bon. La prochaine étape, c'est les duos. En attendant, la pub. Un monde rafraîchissant avec Walt Pola. Vibration vocale. Est-ce que ça va? C'est normal, parce que vous ne les avez pas encore vus chanter en duo. Est-ce qu'on peut applaudir déjà pour nos finalistes, s'il vous plaît? Mesdames, messieurs, nous allons poursuivre la compétition. Nos membres du jury sont là. Les votes se poursuivent toujours. Encore quelques minutes pour voter pour votre candidat préféré. Mais avant, laissez-moi vous dire, à partir de maintenant, on va voir des duos sur des chansons qu'on a imposées.
Je voudrais préciser également que ces duos ont été tirés au sort et que le sort de nos finalistes sont dans vos mains. Vous, membres du jury, vous, public, qui allez voter pour eux. Le tout premier duo qu'on va introduire, c'est la candidate VV11, Adiovi Marie-Claire, et le candidat VV7, Aoutiémé Christian. Marie-Claire et Christian, merci pour vos conseils. Marie-Claire, merci de venir un peu vers moi. Marie-Claire, viens, viens un peu. Christian, approche, pardon. J'ai bien envie que vous soyez tous les deux sous la lumière, sous les projecteurs, parce que c'est ce que vous méritez. Première prestation, la femme de quelqu'un, Singila et Kofi Olomide. On a eu Marie-Claire VV11 et puis Christian VV7. On va commencer les appréciations, Meshach. Je voudrais remercier la paire de candidats, je fais exprès de ne pas dire le couple,
pour ne pas signer une espèce de visa. Alors, donc, la paire de candidats a délivré une très bonne prestation. J'ai aimé la symbiose dans le timbre, mais aussi dans la présence scénique. Il y avait une complicité qui, j'espère, va s'arrêter sur cette compétition. Mais c'était très beau, et c'est ce que je voulais dire. C'était très beau. Merci. Merci beaucoup. J'aime ton sens du direct. Tatiana. Micro de Tatiana. Allô? J'écoute. Enyama. Enyama. Esodja. Enyama. Esodja. Enyama. En fait, je découvre encore Christian dans un registre très bas et pourtant je réussis à l'entendre. Et je vois la fusion de cette voix frêle, fragile et belle. Et je trouve que c'est suffisamment beau pour m'émouvoir ce soir. Bravo à vous et merci pour le spectacle. Merci beaucoup. On va noter les candidats. D'accord. Ça va se passer comment? On note d'abord Marie-Claire et puis on note Christian. Les notes de Marie-Claire. Mécha Kadiaro. 15. Asikiwa. 14. Landry. 15. Tatiana. 17. Les notes de Christian à présent. Mécha Kadiaro. 18. Asikiwa. 18. Landry. 17. Tatiana. 17. Merci de les raccompagner avec des applaudissements. Fidélité, bébé. Tu
pour la vie qu'on espérait. Nous quelqu'un qui aussi et pour l'éternité, bébé. Pour confiance, fidélité, bébé. Pas la peine de chercher, on s'est trouvé. Deuxième duo ce soir, Gloria et Doris, sur cette chanson de Richard Flash et de Mirlenda. Niatepe, je vais écouter Asikiwa et Landry. Oui, j'ai comme l'impression que Gloria et Doris baignent dans du zouk dans leur chambre. Mm-hmm. Parce que la complicité démontre que bon, c'est leur musique, quoi. C'est ça, elles écoutent régulièrement. Merci à Doris pour avoir bien géré le micro dans les aigus. Le son est bien perçu de l'autre côté et accepté. Oui, oui, bien perçu. Asikiwa ? Oui. Je reste encore émue par la prestation des deux. Mais plus par la prestation de Doris qui, ce soir, a montré qu'elle sait où elle va et qu'elle a envie d'y aller vraiment comme l'a invité à faire Meshach Adjarou tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. On va noter à présent. Dans mon papier, on va commencer par Gloria. Gloria, de l'autre côté, sera la première à avoir ses notes. Meshach Adjarou. 16. 16. Asikiwa. 14. 14. Landry. 16. Tatiana. 15. Voilà les notes de Gloria. Les notes de Doris à présent. Meshach Adjarou. 17. Asikiwa. 16. Landry Yaniwanu. 14. Tatiana Arisu. 16. Merci. Les jaloux.
Sephora et Joliette, merci de les applaudir. Sephora et Joliette, voilà. Sephora, Joliette. On va y aller avec Asekiwa. Encore. Je vois mieux que Sephora se retrouve mieux dans ce registre-là. Mm-hmm. Et elle a plus... fait parler d'elle dans ce duo. C'est une belle prestation de part et d'autre, même si c'est parsemé de petites choses qu'on peut corriger au fur et à mesure. Okay. Je dirais, après ce concours, n'abandonnez pas. Cherchez un groupe musical, cherchez des coachs vocaux qui pourront vous accompagner pour la suite. Merci. Merci beaucoup, Meshak. J'ai bien aimé le moment. Il y avait une complicité. Bon, déjà, les robes sont complices. Les voiles étaient aussi. Même si au niveau, j'ai envie de dire, précision, vous avez encore besoin de vous ajuster un peu. Si vous aviez eu peut-être encore deux semaines ou un mois de travail, vous auriez eu le temps, en fait, d'ajuster vos voix l'une par rapport à l'autre. Mais c'était une belle prestation. Merci beaucoup. Sur cette chanson de Fanny Sena et de Omar B, on va noter Sephora VV10 ou Joliette VV17. On va donner la note à partir de Sephora. Meshak. 13. Asikiwa. 13. Landry. 13. Tatiana. 13. Merci. La note à présent de Joliette. Meshak. 15. Asekiwa. 14. Landry. 15. Tatiana. 15. Merci d'applaudir pour mes candidates. Ma petite fille que j'adore. J'aimerais bien que toi tu comprennes à quel point moi-même je t'aime. J'aimerais bien que toi tu comprennes pourquoi moi je suis fou de toi. J'aimerais bien que toi tu comprennes à quel point je suis fou de toi. Accorde-moi une minute et tu verras que moi, yeah. Depuis le jour je t'ai vu, je n'arrive plus à dormir. Depuis le jour nos regards se sont croisés, je n'arrive plus à dormir. Je vais crier ton nom, Wesika. Hey, il n'est pas mieux comme les terres. Je ne dors pas. Elle habite à Chicago. Je ne vois pas, je ne mange pas. Elle aime le vin de Bordeaux. Je ne vois pas, je ne dors pas. Elle adore les sangs de San Pedro. Je ne vois pas, je ne mange pas. Elle danse au caraba de Rio. Je ne vois pas, je ne dors pas. Ouais. Chérie, tu sais non. Quand pas d'amour, c'est le cœur qui bat. Ouais. Chérie, tu sais dans la vie. Le miel est doux, mais l'abeille est sourde. Oh, quel amour. Où il y a un champ et un problème. Oh, quel amour. Sans penser, dis je t'aime. Je ferai tout ce que tu veux. Pour que tu sois à moi. Ah, bon. J'irai jusqu'à vers le soleil. Crier ton nom. Chérie, comprends-moi. Ta langue et les dents se disputent. Depuis que tu parles là. Je ne vois pas, je ne dors pas. Un homme comme toi. Je ne vois
ne vois pas, je ne mange pas. Il aime le vin de Bordeaux. Je ne vois pas, je ne dors pas. Il entend les pas de San Pedro. Je ne vois pas, je ne mange pas. Shedrack et Wessica. Une très belle chanson Chicago de Petit Miguelito avec ce joli duo. Je vous demande de les applaudir. Le temps pour mes membres du jury de compiler leurs notes pour Shedrack dans un premier temps et pour Wessica dans un second temps. Et pour le monopéto, on va écouter Tatiana. Shedrack, toujours égal à toi-même, à faire du spectacle en même temps que tu chantes, c'est bien, comme l'a dit Meshack. Tu es un chanteur. Merci. Jessica, je trouve toujours qu'il y a encore à faire, il y a à polir ton talent. Ne te décourage pas, surtout pas. Il faut vraiment continuer à bosser, à travailler. Et je suis sûre que tu es l'une des plus belles voix du Bénin. Merci beaucoup. Landry. Je trouve plutôt que sur ce morceau, Shedrack n'est pas tellement dans son assiette. Il n'est pas tellement chez lui, mais il s'est donné quand même. Il s'est donné, c'est un effort. Je le félicite d'ailleurs pour ça. Wessica, comme Tatiana vient de souligner, tu dois encore travailler, que la musique soit au quotidien. Et d'ici un an, il y aura encore un autre visage. Merci. Merci beaucoup. On va noter nos candidats à présent. Meshack, pour Shedrack, on y va. 15. Asikiwa. 16. Landry. 16. Tatiana. 15. On va attribuer les notes de Wissinka. Meshack. 14. Asikiwa. 14. Landry. 15. Tatiana. 14. 14. Merci de les applaudir. Se dire adieu, je garderai les souvenirs dans ma mémoire, mais y a plus d'avenir entre nous deux. Tu crois seulement j'en ai souffert, ne t'en fais pas mon chéri. Croyez-moi, ça pouvait plus faire. Alors je vais pas gâcher ma vie. Okay. Tout fait bon, ouais. Bon, ouais. Tout sauf un cœur pour tes beaux yeux. Bon. C'est des nuits, je te l'avoue. Je n'ai jamais rien pu dire. Je n'en veux pas, mais ne m'en veux pas pour tout mettre. Mais entre nous deux.
plus de bruit entre nous deux. Tout, tout arrêté à des centaines de mots, mais j'ai pas envie de m'excuser. Tu es dans mon cœur, mais je veux plus te voir. Il est temps de se dire adieu. En si loin, c'était imminent. J'aurais pu essayer, mais non. Je veux plus faire semblant d'être celui qui connaissait. Je ne suis plus cet homme, mais non. Je m'en veux pas, c'est sans rancunade. Je t'aime ou c'est juste l'habitude. Il n'y a plus d'envol ou bien la lune. On a les ailes et sans les plumes. Il n'y a que celle qui est infinie. Nous deux, c'est bien et bien fini. Je suis fatigué de te mentir. Ça y est, tu es dans mon cœur, mais je ne veux plus te voir. Il est temps de se dire adieu. J'adorais les souvenirs dans ma mémoire. Il n'y a plus d'amour entre nous deux. Tu es dans mon cœur, mais je ne veux plus te voir. Il est temps de se dire adieu. Garderai les souvenirs dans ma mémoire. Il n'y a plus d'amour entre nous deux. Tout nous arrêter à des centaines de mots. Mais j'ai pas envie de m'excuser. Tu es dans mon cœur, mais je ne veux plus te voir. Il est temps de se dire adieu. On dit qu'en amour, faut pas compter. Mais j'ai compté les jours au-dessus. Je garderai les souvenirs de ma mémoire. Mais il n'y a plus d'amis entre nous deux. Tu es dans mon cœur, mais je ne veux plus te voir. Il est temps de se dire adieu. Il est temps de se dire adieu. Je garderai les souvenirs dans ma mémoire. Mais il n'y a plus d'amis entre nous deux. Tu es dans mon cœur, mais je ne veux plus te voir. Il est temps de se dire adieu. Je garderai les souvenirs dans ma mémoire. Mais il n'y a plus d'amis entre nous deux. Senghor, Charles Senghor et Believe, vous avez votre quatrième duo. Charles Senghor à ma gauche, Believe à ma droite, le cinquième duo, pardon, que je propose aux membres du jury pour vote. Mais avant, on pourrait écouter Asikiwa. Merci. Je pense que Senghor a mis du temps, comme moteur diesel, à se mettre en place. Mm-hmm. Et je crois qu'il est revenu dans la compétition parce que je l'avais perdu lors de son premier passage. Je crois qu'il est revenu et c'est avec plaisir que j'ai écouté cette prestation. Quant à ma sœur, je voudrais te demander de continuer par travailler, surtout au niveau de la justesse. Continue par faire ce que tu dois faire avec des gens avec toi, parce qu'on n'arrive pas à travailler tout seul. Donc, il va falloir chercher quelqu'un qui te conduit ou tu rentres dans un groupe musical pour que tu puisses asseoir vraiment ce que tu as en toi. Mais n'arrête pas de travailler, continue. Merci beaucoup, Asikiwa. Nous allons noter nos candidats. On va commencer par le candidat VV4, Dekpe Charles Senghor. On va lui attribuer ses points sur cette chanson. Yodadjou et Linda, adieu. VV4. Méchac. 15. Asikiwa. 16. Landry. 16. Tatiana. 16. Ça, c'est les notes de Charles Senghor. Les notes à présent de Believe Sagboran. Méchac. 14. Asikiwa. 14. Landry. 14. Tatiana. 15. On les applaudit pour les accompagner. J'ai eu tort. Attends, respire un peu.
me pousse en avant. C'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. C'est comme si j'ai quitté la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Et si tu crois que je t'oublie, écoute. Ton corps au vent de la nuit. Kémy et Alfonso, le duo qui nous proposait du Garou et du Céline Dion. Et je suis venu, on est devenu un trio et le trio vous demande les notes. Mais avant, quelqu'un qui s'y connaît un Garou, depuis que Garou existe, je veux parler de Meshack, va apprécier. Merci. C'était un beau duo, même si une fois encore, on a l'impression que c'est difficile de trouver des morceaux qui épousent vos voix et vos personnalités. Bon, là, on est un peu plus sous la clim que sous le vent, mais c'était agréable et on voyait qu'il y avait une complicité entre vous deux. Le seul bémol pour moi, c'est j'ai eu l'impression que vous n'avez pas eu assez de temps pour travailler ce duo, pour vraiment harmoniser, surtout sur les harmos. C'était pas 440 en fait, c'était pas tight. Et voilà, peut-être que vous aurez plus de temps après, je ne sais pas comment vous ferez après la compétition pour retravailler vos duos sans préjudice et sans valeur ajoutée. Que Dieu vous bénisse. La valeur ajoutée, c'est le trio après. C'est ça. Le duo, il passe à un trio. C'est ça. Mais Chaka Garou, vous allez donner, vous en premier, la note de Oluwa Kemi. On va commencer par elle et on va finir par Alfonso. Les notes de Oluwa Kemi. Mais Chaka Garou. 13. Asikiwa. 13. Landry. 13. Tatiana. Merci. Ça, c'est les notes de Oluwa Kemi. Les notes
de Alfonso à présent. Mécha Kadiako. 14. Asikiwa. 13. Landry. 15. Tatiana. 14. Merci. Allez, on les raccompagne à leur place avec des ovations. Tout à l'heure, les quatre membres de mon jury vont se retirer. Mais ça, ils ne le feront pas sans avoir écouté le dernier duo. Il s'agit de Heureuse et de Mariam Iyabo. Est-ce qu'on peut les applaudir? On va bisser demain. Sassimé et Mister Léo, je ne vois que toi. Très belle chanson, belle performance. Et on a vu la version de Rusé de Mariam Iyabo. J'ai bien envie de prendre la vie. Voilà, permettez-moi de me répéter. De Landry et de Meshach sur cette chanson. Landry, on commence par toi. Je pense que c'est une autre écriture de « Je ne vois que toi ».
heureuse et Yabo viennent d'écrire. Bien sûr. Je leur dis du courage. Et Yabo est demain Yabo. Et dans 2 ans, 3 ans, et on entendra parler beaucoup d'elle. Parce que la force, l'énergie, tout est là en fait. Et ça viendra à petit feu. Et à heureuse, or, la tonalité, la fidélité à la tonalité, c'est capital, fondamental, inévitable. C'est pourquoi quand vous chantez avec les musiciens, il faut les écouter. Il faut aller de l'autre côté, de temps à autre, pour voir si vous êtes toujours là, connecté. C'est très important. Merci. Capital, fondamental, inévitable. Méchac, on complète les adjectifs? Non, je vais te laisser faire ça. Tu sais bien le faire. En tout cas, je vais être formel. C'était une très belle prestation. J'ai beaucoup apprécié. J'ai apprécié votre complicité, j'ai apprécié la fusion des timbres et il y avait une belle présence sur la scène aussi. Bravo. Merci. Alors, on va noter d'abord Heureuse à mes côtés et on va noter ensuite Yabo. On commence par les notes de Heureuse Renfort, VV12, si vous avez envie de voter pour elle. Mesha Kadiaro. 14. Asikiwa. 14. Landria Niwanu. 14. Tatiana Arisu. 15. Les notes à présent de Yabo. Mesha. 14. Asikiwa. 13. Landry. 15. Tatiana. 15. Merci de les applaudir pour les accompagner. Et nous venons de voir, mesdames, messieurs, les prestations qui seront notées au cours de cette grande finale du concours Vibration Vocale, 2e édition. Il y a une dernière prestation, certes, qui ne sera pas notée, mais qui est autant belle que les autres prestations. Merci de rester avec nous. Et ils vont se retirer, nos membres du jury, sous nos ovations, mesdames, messieurs. Merci de les applaudir. Merci beaucoup à toutes et à tous. On va permettre à l'orchestre de nous faire une très belle chanson. Et je reviens juste derrière. On applaudit la bande de Bernice, Possian, Lala John, Crepislo, Aston, Magnificat, Abraham Constant, musique, maestro. Que ça qui est bon dans la vie, à vous finir. Moi je t'aime dans la vie, ils vont tout faire au ciel pour m'aimer ce moment. Ça finit vraiment au tombeau. Les problèmes du cœur finissent. Bisous, pour moi ça rêve. Ça finit en bas de la tombe. Les problèmes du cœur finissent. Bisous, pour moi ça rêve. Eva, on est là pour le show. Est-ce qu'on peut se lever danser? On y va. Yeah, tout bas. On y va. Yeah. Tapez les mains. Ouah, ouah. On y va. Ouah, ouah. Oya, quand je m'en vais, tu peux couler les larmes jusqu'à couler le sang. Oh, oh, veuille baiser tes voix. Tu peux couler les larmes jusqu'à couler le sang. Sur mon tombeau, mes cavards dépoussés à rentrer les dents. Ralentica, ralentica, yéhéhé, saut à l'odeur. Tu vas traverser ton monde, tu sais, y'a qui joue bon bon. Tu vas partir en joie, ami, prépare-toi bien. Si tu es riche ou bonbon, tu vas partir au joyeux, vivre et mort pour le bien. L'amour fini en tombeau. Fais-moi boire, chérie, fais-moi boire. Demain je ferai comme toi. Fini en tombeau. Amour nous les bonhommes, n'amina ma nouveau.
chanson de ses vivres. L'amour fini au tombeau. Amour nous n'est bon ami. La vie n'a pas nouveau. Chanson de ses vivres. Amour fini. Hey! Soumo! Est-ce qu'on peut se lever danser? Est-ce qu'on est là? Et là? Ah! On y va! C'est, et là pour te lever. Dis à celui qui est à côté de toi, lève-toi voisin, on va danser. Voisin, lève-toi, on y va. Voisin, lève-toi, on y va. Ça va. C'est, on y est mon papa, on y est mon papa, on y est mon papa. On y est bien imité, on y est bien imité. Anita wala gata. Oye bien alimenté, alimenté, alija wala 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 eh eh, alija kriba kriba ah eh ya eh ya, oko la pa eh eh, oye bien alimenté eh eh, bien alimenté eh eh, alija wala 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 wala. Ame oye, ae, vole mwen go.
Il est le plus grand danger. Rocha. Hey, Aquam Libi. Then I don't pass a key over Aquam. Yeah. C'est pas fini. Je savais pas qu'en plus d'avoir des bons chanteurs parmi vous, j'ai également de belles danseuses. Merci d'applaudir pour toutes les dames qui sont venues danser ici tout à l'heure. On veut connaître les résultats maintenant. On a assez attendu. Je voudrais, mesdames, messieurs, que vous puissiez, lumière dans la salle, reconnaître le retour des membres du jury avec les résultats de la finale. Merci de les applaudir. Meshak Adjaho, Assi Kiwa, Landry Aniwanu, Tatiana Arisu. Ils nous reviennent sûrement avec de très bonnes nouvelles pour certains candidats. C'est le retour également dans la salle de beaucoup de gens parce que le moment des vérités a sonné. Merci de vous installer, chers membres du jury. Merci à toute l'assistance pour la patience. On va connaître dans les minutes à venir le grand gagnant, celui qu'on aurait sacré meilleure voix. Ah oui, du Bénin dans Vibration Vocale. Pour le compte de cette édition, la deuxième, l'édition de la maturité pour cette compétition qui est née d'une initiative, celle de jeunes décidés à promouvoir les valeurs de chez eux. C'est parti comme un rêve, un rêve, un rêve qui a pris corps, qui a pris chair. Et aujourd'hui, ce rêve est devenu une réalité et nous célébrerons désormais chaque année la voix dans toute sa splendeur et dans toute sa beauté. Une fois encore, merci à toutes et à tous. Je voudrais faire venir, si vous le permettez bien, avec des applaudissements, le promoteur de cette initiative Vibration Vocale qui va venir dire un mot à l'endroit de toute l'assistance, pourquoi pas un mot à l'endroit de ces jeunes candidats avec qui il a passé ces 4 derniers mois. Avouons-le, c'était beaucoup de stress et beaucoup de challenges.
Ce challenge a été relevé par l'équipe de Harold Arrey-Renon que je vous demande d'applaudir très très fort, s'il vous plaît. AH Corporate, c'est l'agence accompagnée, bien entendu, de Harold de Photo Studio et de la structure de communication Le Réseau pour mettre en œuvre cette grande aventure. Bienvenue, monsieur Arrey-Renon. Il est très jeune, même avec beaucoup, beaucoup de talent. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. On est à 2 minutes de la proclamation des résultats. On ne pouvait pas ne pas écouter un mot venant du promoteur de cette initiative que nous soutenons tous. Bonsoir à vous. Et je dirais en un premier temps merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement. Je vous dis merci d'avoir cru en ce qu'on fait. Mais je dirais aussi merci à tous les sponsors, tous ceux qui nous accompagnent depuis le début de l'année dans cette course. Je pense que on a fait passer le documentaire. Vous avez un peu vu le process, ce par quoi on est passé. Je remercie l'orchestre qui est là parce qu'on en a vraiment bavé. Je remercie les jurys parce qu'on les a beaucoup dérangés surtout. Et sincèrement, faites un bon pour toute l'équipe, s'il vous plaît. Alors, je sais que vous êtes totalement impatients de pouvoir découvrir les trois, mais en un premier temps ou en un dernier temps, s'il vous plaît, permettez-moi d'inviter ici tout mon staff, si je le peux, bien sûr. Vas-y, bien sûr. Tout mon staff, parce que je n'ai pas fait tout ça seul, ils étaient là, ils étaient présents. Donc, s'il vous plaît, le staff, je ne sais pas à quel niveau tout le monde est, mais s'il vous plaît, venez sur scène, que soit le directeur de projet, M. Prudence Dossou, ensuite... Wadirat, tout le staff, Gloria, merci de venir, s'il vous plaît. Venez, Magnificat, Wenceslas, Gloria, les venez, deux Gloria, venez. S'il vous plaît. On a envie de vous applaudir, on a envie de vous ovationner, envie de vous dire félicitations. Et moi, j'ai envie que vous puissiez remarquer que c'est rien que des jeunes qui sont en train de travailler sur ce projet Vibration. Iraniel Tosso aussi, celui qui est caché derrière tout ce qui est montage, infographique et tout. S'il vous plaît, le banc n'est pas fort parce qu'ils ont fait un gros travail, s'il vous plaît. Et pour finir, je vous dis désolé si vous avez vu qu'il y a eu quelques moments de retard avant qu'on ne puisse commencer. Comme M. Ozilon l'a dit, c'est l'édition de la maturité. On en a appris beaucoup. On a fait beaucoup d'efforts comparativement à l'édition passée. Et je pense que la prochaine fois, on fera encore plus fort et plus grand. Merci à Marcage Bénet qui est là. Merci beaucoup. Merci au jury. Je voudrais qu'on puisse dire ensemble avec toi et toute l'équipe, merci à ces partenaires, à ces sponsors qui vous ont fait confiance depuis la première édition, qui vous accompagnent, qui vous soutiennent et qui vous aident à pouvoir réussir cette initiative, Monsieur Arrey-Renon. Non, merci aux partenaires. Alors, je remercie Marcage Bénet, je remercie la Sobebra. Même si de l'autre côté, vous avez vu qu'il y a MTN Hype, je pense que si on finit tous, on ira chez MTN pour danser parce que MTN est également sponsor de cet événement. Il y a la Sobebra qui est là, il y a Marcage Bénin, il y a la DAC qui nous a soutenus surtout, la Centrale Compagnie qui est représentée également par M. Richard Flash. Il n'a pas pu faire le déplacement, mais ils étaient ici avec nous jusqu'à hier, tard dans la nuit, pour qu'on puisse vraiment tout finaliser. Alors, une dernière fois, faites un bon pour tous les partenaires. Un banc pour tous les partenaires, en tout cas, et un banc pour mes gladiateurs, pour les raccompagner à leur place, s'il vous plaît. Zinzin. On fait quoi maintenant? On va à l'essentiel. Ou c'est maintenant qu'ils sont 19h. On recommence le show au début. Et si on voyait les 14? D'accord, voyons les 14. Juste avant la proclamation des résultats, merci d'accueillir les 14 finalistes, s'il vous plaît. Thank you.
Phrases qu'on dit trop vite et sans qu'on les pense à celles que je n'ai pas osées. Oh, 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 à nos actes manqués. Ok, 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 ok. Ça n'est plus dur à tenter de ressembler à tous ces murs que je n'aurais pas supposé, à tout ce que j'ai pas vu tout près juste à côté, tout ce que j'aurais mieux fait d'ignorer. Mon lacet douleur qui ne me touche plus. D'applaudir nos 14 candidats, les 14 finalistes. Ce qu'on va faire, on va faire une seule ligne. Merci de faire une seule ligne de là-bas jusqu'ici. Voilà. Est-ce qu'on a tout le monde sur la seule ligne? Il y a de la place ici, merci de pousser. Aussi qu'un. Allez, venez, venez, venez. Venez, venez, venez. Merci, c'est bon. Mesdames, messieurs, vous avez écouté. Vous avez vécu ces très bons moments avec eux. Pour certains, c'est depuis près de 4 mois que l'aventure a démarré. Pour d'autres, c'est ce soir qu'ils ont pu découvrir ces talents que nous vous offrons pour cette finale de vibrations vocales.
mais pour tout un chacun de nous, nous avons pris du plaisir. Et pour ça, je voudrais qu'on puisse les applaudir très très fort, s'il vous plaît. Ça va être la consécration pour certains ce soir. Mais ça ne veut pas dire que pour d'autres, ça va être la fin de l'aventure. La preuve, les membres du jury l'ont longtemps annoncé. On a besoin qu'ils puissent continuer dans cette droite. Pour être les meilleurs de demain. Une fois encore, merci de les ovationner, s'il vous plaît. Je vais demander au jury, nos quatre membres du jury, vous allez venir sur la scène, féliciter nos 14 finalistes. C'est vrai que ça va être fastidieux, mais vous allez les féliciter. Par la même occasion, on va débriefer et dire le grand gagnant ou la grande gagnante. De cette édition. Merci de les applaudir, s'il vous plaît. Asikiwa, Landry, Aniwanu, félicitations, félicitations. Tatiana Arisou, félicitations. Félicitations, félicitations, félicitations. Et maître Mécha Kadiahou. Félicitations. Merci beaucoup. Asikiwa, on va venir un peu à la lumière. Ok, d'accord. On risque de cacher. On pourra rester entre les candidats. Talent ce soir. Ok. Voilà. On peut y aller. Ça y est, on peut y aller. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Et je voudrais, à l'entame, remercier l'organisateur de ce concours et toute son équipe. Je voudrais également remercier les postulants. Parce qu'il aurait fallu qu'il y ait des postulants pour que le concours ait lieu, même s'il avait une bonne idée. Je voudrais également remercier l'équipe qui les a encadrés, en l'occurrence El Coutinho, très bon musicien. Je voudrais vous demander humblement de faire un banc pour l'orchestre qui a accompagné nos candidats ce soir. À nous a tout manqué. Voilà. Donc, souhaité. Donc voilà un peu. Merci beaucoup. Et merci. Ce soir, sans plus tarder, parce que vous êtes restés longtemps, on va donner les résultats. Mais nous voudrions déjà dire que chacun des finalistes a fait un bon parcours, parce que j'ai eu la grâce de les avoir vu dès le départ, et je sais combien ils ont fait beaucoup d'efforts pour être là ce soir. Et nous allons commencer par donner les résultats. Asikiwa. Oui. Mais avant, oui. Je voudrais demander aux 14 finalistes de faire deux pas en arrière. Ok. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai qu'il y a des petits pas et des grands pas. Hein. Donc ils ne se sont pas retrouvés au même niveau. C'est bon? Merci beaucoup. Bon, on va commencer par la 14e place. La 14e place qui est occupée par Oussou Ola Ouakemi. Oluakemi Oussou, qui totalise une moyenne de 9,34. Merci de l'applaudir. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. À la 13e place, nous avons Chibozo Alfonso, qui totalise une moyenne de 9,79. À la 12e place, nous avons Renfort Heureuse, non, Adjovi Anne-Marie, pardon, 12e place, avec 9,91. À la 11e place, nous avons
Jomacon Gloria avec 10,07. À la 10e place, nous avons Sagoran Biliv avec 10,08. À la 9e place, nous avons Dépé Charles Senghor avec 10,49. À la 8e place, nous avons Renfort Heureuse avec une moyenne de 10,59. À Sekiwa? Oui. Nous sommes à la 8e place, n'est-ce pas? Oui, on est à la 8e place. Je voudrais demander aux 8 personnes qui viennent d'entendre leur nom de faire un pas en arrière. Merci. Merci. On poursuit. On poursuit. À la 7e place, nous avons Kanoussou Joliette avec une moyenne de 10,65. À la 6e place, nous avons Afosogbe Sephora avec une moyenne de 11,75. À la 5e place, nous avons Oussou Gamba Chedrak avec une moyenne de 12,07. Merci beaucoup à Sekiwa. Je tiens à faire une pause. À l'entame, le représentant de l'huissier disait que dans chaque jeu, il y a des règles. Et selon ces règles, voilà le résultat. Donc, je vais demander à ceux-là qui viennent d'entendre leur nom de faire toujours un pas en arrière. Nous sommes à la 5e place. Les autres, merci de vous mettre ensemble. Venez, on est à la 5e place. Maintenant, la 4e place est occupée par... À Sekiwa? Oui. Attends un instant. Je suis plus pressé que vous, hein. Je suis d'ailleurs très pressé. Je voudrais dire, mesdames, messieurs, que les 10 personnes qui sont derrière là méritent que vous puissiez les applaudir. Est-ce que vous avez remarqué que les 4 qui sont devant n'ont pas dansé? Ces gens, pendant que les membres du jury dansaient, ils se disaient, mais attends, avançons là, c'est quoi leur affaire? Alors, à Sekiwa, on va poursuivre à présent. Vous venez de dire 5e place. À la 4e place, nous avons qui? À la 4e place, on a Wessika, l'enfant d'aussi Wessika, qui totalise 12,20. Wessika, l'enfant 12,20. Il nous reste 3 places. 3 places. Je voudrais préciser, mesdames, messieurs, selon les règles du jeu, que le vote du public compte pour 30% et les notes de nos 4 membres du jury comptent pour 70%. 70%. Et donc, en tenant compte du fait que les votes comptent pour 30% et que les jurés dans leur ensemble font 110%. À la 3e place, nous avons... Nous avons à la 3e place. Nous avons... À la 3e place, Nous avons qui? Hein? Nous, on va s'en jaillir. Je sens que les membres du jury ont besoin d'ailleurs d'une chanson pour eux, rien que pour eux. À la 3e place, nous avons. Et je voudrais que. qu'on puisse l'applaudir vraiment. Commencez pas à l'applaudir parce qu'elle mérite qu'on l'applaudisse. Selon les règles du jeu, nous avons la 3e place. Gomina. Yabo Gomina. Yabo.
avance. Merci, Yabon. Elle occupe la troisième place avec une moyenne de... Avec une moyenne de 14,72. Merci de l'applaudir. Merci. Merci, Yabon. Merci de faire un pas en arrière. Je voudrais placer une virgule. Je voudrais savoir avec ta copine. Si les parents de Prends la main de ta copine là. Et viens. Les parents de Gomina, s'ils sont là, qu'ils se lèvent, s'il vous plaît. Je sais que papa et maman sont là, voilà. Merci. Merci. Mais je voudrais vous... Je voudrais devant tout ce public vous confier cette fille. Vous confier ce talent. Si elle se perd, vous serez responsable. Donc je vous la confie pour que dans 2 ou 3 ans, qu'on puisse entendre parler d'elle. Merci. Nous allons faire notre part, mais faites aussi votre part. Merci. À et la nous, deuxième place. Nous allons poursuivre à Sikiwa. Il nous reste 2 candidats. Oui. Il nous reste 2 candidats. Je suppose que quand on va dire celui qui a la deuxième place, on va connaître celui qui a la première place. Alors je propose que nos 2 restants viennent devant et qu'ils se tiennent la main. Venez, 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 venez. Quel couple! Quel couple! Le grand gagnant fait partie, bien entendu, de ces 2 talents que vous avez devant vous. Est-ce que vous pouvez déjà applaudir pour ces 2 talents, s'il vous plaît? Hein? Allez, on y va. Merci. 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 Et celui qui occupe la deuxième place. Avant que tu ne dises la deuxième place. Celui qui occupe la deuxième place. Je voudrais à Sikiwa inviter, si tu le permets, Monsieur Henri Renaud Harold. Venez, venez. Venez. Il y a 2 distinctions hors compétition. Que je souhaite qu'on remette ici et maintenant. Bravo. Avant de dire le nom du grand gagnant ou de la grande gagnante, parce que ces moments sont des moments magiques. Okay. 2 distinctions que le comité souhaiterait remettre à 2 personnes. Sans grand bruit, ça va être qui est qui. Dites-nous tout, M. Harry Renaud. Ça va être en un premier temps le coach famille. Merci de le faire venir avec des ovations. Merci, mon prof. Et le professeur. Et en un second temps, Monsieur Iraniel Tosou. Merci. Ils ont travaillé franchement d'arrache-pied pour Bravo. Qu'on puisse avoir ces bons moments. C'est l'occasion pour nous de leur dire merci Bravo. Avec cette distinction. Des vibrations vocales pour Femi El Coutino et Iraniel Productions. Bravo. Oh, well done. Merci beaucoup. Merci. Restez avec moi ici, juste à mes côtés ici, parce qu'ensemble on va reconnaître le grand gagnant. Donc, je disais que celui qui est à la deuxième position nous vient d'une famille de chanteurs. De chanteurs. Premier indice. Celui, cet homme grand H qui occupe la deuxième place, cette personne, elle,
s'appelle. On remercie la Sobebra, on remercie Marcache Bénin, on remercie MTN qui nous accompagne et qui nous soutient. Elle s'appelle. Numéro 2. Doris. Doris. Gagnon Doris. Doris. Deuxième de cette deuxième édition de la compétition. Vibration vocale. Ce qui fait que le numéro 1, le numéro 1, le grand gagnant, le grand gagnant, le grand gagnant, le grand gagnant s'appelle. 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 Il a décidé d'amener le. D'amener le trophée à Pau. Merci. Merci de soutenir. Christian Huitième, le grand gagnant. Moïse, merci beaucoup. Je voudrais qu'on applaudisse Moïse qui est au son ce soir. Merci. Donc, merci. Celui qui a décidé de venir à Cotonou défier les Cotonouais d'amener ça à Calabi, il s'appelle. Aoucheme Christian. Attention, on vient. Christian Aoucheme. Il totalise 15,73. Merci beaucoup. Il est premier ce soir. Le premier de ce soir, Christian Aoucheme, merci de l'applaudir très très fort. Je vais demander au DG de Marquage Bénin de venir sur la scène. Je vais demander au représentant de la Sobebra de venir sur la scène. Ensemble, nous allons remettre le trophée. Le troisième. Bravo. On va les saluer de ça. On va les saluer de ça. Tu as commencé les. Merci beaucoup. Déjà, venez, venez. Merci. On va remettre rapidement les lots des 14, les 14 lots de consolation. Avec le promoteur et le DG de Marquage Bénin, très rapidement le représentant de la Sobebra. Merci pour le soutien du 6e au 14e. J'ai des bons de pâtisserie, des bons de jus de fruits, des bons de couture, des bons de make-up et tresse, un kit Neo Market, un kit World Cola, des bons de tresse, des bons de coiffure chez Dorbich Hair, des bons de réduction de 50% en restauration offert par It On Feel. Des bons de réduction de 50% sur une prochaine commande offerte par Nena Drinks. J'ai les bons d'une valeur de 50% par Joli Coco sur le prochain achat de deux bouteilles au moins. Je vais demander au candidat merci de venir devant pour recevoir vos lots. Les
Chaque candidat part donc avec un kit Neo Market, un kit World Cola. Les bons en postiche par Anna Pontiel pour toutes nos femmes. Des bons de make-up pour toutes les femmes ce soir pour une sortie. Nous avons des bons de couture, des bons de tresse, des bons de restauration. Les candidats, venez, venez, venez prendre vos kits, s'il vous plaît. Chez Drac, vos kits. Senghor, vos kits, rapidement, venez, venez, venez. On va remettre au troisième son trophée, son chèque d'une valeur de 200 000 francs et son nom et son kit. Doris, Doris, la candidate numéro le trophée. Merci de venir, merci de baisser le son s'il vous plaît. Merci de baisser le son s'il vous plaît. On va remettre là présent le trophée de la troisième. On va le faire à la lumière s'il vous plaît. Le représentant de la Sodebra et le DG de Marquage Bénin qui remettent le trophée du troisième gagnant. Il s'appelle Iyabo. Le deuxième à présent. Je vais inviter le DG de Marquage Bénin, le représentant de Sodebra. Le pack Néo, le pack Sobebra. Voilà. Bon, on va demander aux membres du jury, merci de venir, s'il vous plaît. Les membres du jury, venez, venez, venez. Tatiana. Venez, venez, assis, Kiwa, Landry, venez, venez. C'est vous qui allez remettre le premier prix. Je veux préciser que Doris s'en va avec un chèque de 300 000 francs. Le premier prix et les félicitations de Christian seront remis par les membres du jury. Christian part avec un chèque d'une valeur de 500 000, un kit Neo Market, un kit World Cola. Il part avec des bons de pâtisserie, des bons de jus de fruits, des bons de couture, des bons de make-up, des bons de restauration. Venez, venez.
On va faire la photo de famille avec tous les candidats, s'il vous plaît. Les candidats. La photo de famille avec les membres du jury. Les candidats, les membres du jury, les coachs, tout le monde pour une photo de famille. Tout le monde pour une photo de famille. On va dire merci à Carnot François Humbert-Hector, à Godfrey Dédé, à Frida Vibes, à tous les maîtres et à toutes les maîtresses du micro qui ce soir se sont cachés dans les sièges rouges pour apprécier la beauté du spectacle. Merci à toute la presse. Merci à toute l'équipe de production iranienne, production. À Moïse, merci. Abraham Constant et toute sa bande. Je voudrais vous dire merci. Un gros merci à nos partenaires qui nous ont accompagnés durant toute cette belle aventure. Merci à toutes et à tous. Au revoir. À l'année prochaine. Ce programme de divertissement vous a été offert par World Cola. World Cola bascule dans un monde rafraîchissant. Merci à tous nos prestigieux partenaires.